Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des appréciations sur Excel. Pour commencer, nous nous positionnons dans la cellule dans laquelle nous voulons des appréciations. Ici, il faut noter que nous avons mis un barème ici, c'est-à-dire de 0 à la moyenne 0. L'appréciation est pas de niveau, pas au niveau. La moyenne 5, accentuez vos efforts, 10, niveau moyen, 15, bon niveau, 20, maîtrise de la matière. Et donc, lorsque nous nous positionnons ici, dans notre cellule, nous cliquons sur égal. Ensuite, nous allons sélectionner rechercher V. Voilà. Cliquons sur rechercher V. Et la valeur cherchée, c'est quoi? La valeur cherchée, c'est la moyenne. Donc, nous allons sélectionner la première moyenne. Ça va. Et la table matrice. La table matrice, c'est celle-là. Nous positionnons là et nous sélectionnons les données comme ceci. Voilà. Donc, nous avons le D11, E15. D11, E15. Voilà. Ensuite, numéro index colonne. Numéro index colonne, c'est la colonne que nous voulons voir affichée ici. Donc ici, c'est première colonne, deuxième colonne. Ça va? Donc c'est la deuxième colonne. Donc nous allons mettre ici 2. Maintenant, valeur approchée. La valeur approchée est une valeur logique. Logique, c'est-à-dire booléenne. Hein? Soit c'est oui, soit c'est non. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Ici, nous allons prendre vrai. Nous allons mettre vrai. 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 Voilà. Et donc après avoir fait ça, nous cliquons sur OK. Vous voyez ici. Donc la moyenne est de 13,83. Et donc nous constatons que cette moyenne est super, est comprise entre 10 et 15, donc le niveau est moyen. Maintenant, nous nous positionnons là sur la cellule ici et nous allons faire glisser pour les autres cellules. Voilà, et ici.